Bonjour à tous. Comme je disais, je suis vraiment content de vous voir tous là pour ce meet-up à OVH, dans ces locaux qui sont chouettes, qu'on peut admirer la vue. Vous verrez, les slides de la présentation sont disponibles sur Internet, donc prenez-les, regardez, analysez. On discutera de Rust. Donc, tout d'abord, découverte de Rust en production. On parlera de nos usages en production à OVH. Le but, c'est de vraiment vous amener à essayer cette technologie, parce que pour nous, ça a marché. On va en discuter, mais les retours sont vraiment excellents. Ensuite, un peu plus parler du système de borrowing, qui est, on va dire, le premier petit frein dans le langage, alors que c'est un système super puissant qui vous aide à se passer de montagnes comme le garbage collector. Ensuite, Quentin aura le plaisir de nous montrer Servo, qui est vraiment le système d'avenir de Firefox. Donc, je me présente, Adrien Bensebi. Je suis DevOps à OVH depuis 2 ans. Je travaille majoritairement sur le projet IP Load Balancing de nouvelle génération. Donc, c'est un répartiteur de charge. Qui sait ce que c'est un répartiteur de charge sur le cloud? Ah ben, beaucoup de gens. Mais en tout cas, pour résumer, c'est un répartiteur de requêtes. Dès que vous recevez des requêtes HTTP et des paquets sur TCP, ça va être redirigé entre les divers serveurs qu'on a dans les data centers. On a beaucoup de serveurs dans les data centers. Nous, le but à équiper load balancing, c'était notre usage à nous-mêmes, parce qu'on commençait à avoir des API si lourdes, si grosses, avec beaucoup, beaucoup de requêtes, qu'il fallait les rediriger entre beaucoup de serveurs. Ensuite, je faisais partie de la communauté Lille Rust sur Lille. Cette communauté va continuer à discuter de Rust et montrer les avantages de cette technologie. Après mon travail de tous les jours, je suis, on va dire, expert sur la partie performance des serveurs web. Donc j'aime bien triturer, regarder quelles sont les limites, quelles sont les faiblesses de chaque serveur web, et après les améliorer et les proposer en mutualisé pour tout OVH. Je considère que l'année 2017, pour nous, en tant que développeurs, ce qui sont des langages marquants sont Rust, Elixir, parce qu'il a un système qui est hautement scalable, qui est vraiment intéressant, et Solidity, qui est un langage pour faire des smart contracts sur la blockchain, mais c'est un autre sujet. Enfin, si vous voulez me retrouver, je suis sur Twitter, sous le nom de Linkel. Donc, vous connaissez OVH. On vend plein de serveurs, tout plein, tout plein, tout plein. Ces serveurs sont divisés en 3 catégories. On a le public cloud, donc c'est les instances que vous pouvez acheter à la minute, à l'heure, au jour. Après, on a le private cloud, qui est un peu de la virtualisation packagée. Et ensuite, on a des serveurs dédiés. Ces serveurs dédiés ont des configurations bien spécifiques, avec des disques durs de nouvelle génération et des CPU qui vous sont dédiés. On a actuellement 20 data centers et sur certains produits, on est capable de les distribuer entre tous ces data centers pour toucher plus rapidement le public. Ensuite, vraiment une capacité qui est importante aujourd'hui, on a une capacité d'engorgement des réseaux Internet de 10 terabytes, 10,3, ce qui nous permet que quand il y a des attaques, on peut les encaisser, charger notre réseau et ne rien voir. Une particularité d'OVH, dans le site internet, si vous connaissez le manager, qui permet de manager vos services, que ce soit web, cloud ou dédié, vous avez une quatrième partie qui s'appelle le Sunrise. Le Sunrise, c'est pour les nouveaux produits. Ces nouveaux produits, il y a du cloud desktop, il y a le nouvel IP Load Balancing, il y a SSL Gateway. Il y a énormément de nouveaux produits
qui n'ont pas encore leur interface définitive, mais qui sont déjà au stade d'usage en production. Et là, je vais parler plus particulièrement de trois services, qui sont SSL Gateway, IP Load Balancing et Metric. Donc, notre premier cas d'usage de Rust, ça a été sur ces trois produits-là. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de petits outils. Nous, on développe tout avec des petits outils. Vous connaissez Redis ? Non. C'est un outil, c'est une petite base de données qui n'est pas lourde, qui permet de stocker des valeurs et récupérer des valeurs très rapidement. Ça nous sert dans plein de produits. On a toujours utilisé beaucoup de petits produits parce qu'ils ont plein d'avantages. Et sur IPLB, on en a utilisé plein. Les petits produits, pour moi, les petits outils, pour moi, c'est un petit binaire. On peut le déposer sur le serveur très rapidement. Il a un cas d'utilisation spécifique, stocker une donnée, filtrer une donnée, envoyer des requêtes HTTP. Toujours un petit use case. Il n'a pas un environnement très fourni, donc c'est très facile à configurer. À partir du moment où c'est facile à configurer, les gens peuvent avancer rapidement sur les besoins qu'ils ont identifiés. Après, ils ont généralement du logging qui n'est pas très évolué, qui va envoyé sur une partie du file system, et résultat, on a les logs. Ils sont prédictibles. Un outil aura toujours à peu près la même trace CPU et mémoire, ce qui est important, qu'on ne se dise pas « Ah, il y a eu un bug dans l'outil, on le voit tout de suite. » On voit que le CPU, il a augmenté, ou la mémoire, elle a flanché. Après, c'est facile pour nous, en termes de sécurité, de restreindre son accès. Il dit, toi, tu n'as pas le droit de toucher à tel utilisateur, tu n'as pas le droit de toucher trop le disque dur, tu n'as pas le droit d'utiliser toute la mémoire. On est capable de filtrer de façon très claire. Et enfin, c'est très facile à scaler. Donc, sur la montée en charge, sur plusieurs serveurs, on est capable de répartir ce petit outil partout et donc monter en performance. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Sur IP Load Balancing, on a potentiellement plein de gens qui ont des instances qui vont les rajouter dans le répartiteur de charge. Et à chaque fois qu'un des serveurs a une vérification de santé pour rediriger les paquets chez lui, on log ça. Et on log le nombre de requêtes par seconde, on log plein d'éléments, les effets de filtrage, tout plein de choses. Et toutes ces métriques-là, on doit les balancer dans un service. Un service qui s'appelle Metric. Ce qu'on veut, c'est jamais perdre de données. Le client, quand il regarde son IP Load Balancing, il veut savoir en permanence si son serveur est up ou down. Il veut savoir combien de requêtes arrivent dessus, si les requêtes sont bien réparties, si elles sont bien sécurisées. Enfin, tout plein de petites choses qu'il a envie de savoir. Et donc, pourquoi c'est important que ça soit safe et que ça avance, qu'on ait toujours ces données-là ? Parce que pour le client, pour vous, ça vous permet de tout savoir sur vos serveurs. Ensuite, en temps réel, c'est-à-dire toutes les secondes, toutes les minutes, afin de pouvoir réagir très rapidement. S'il y a une coupure ou s'il y a une baisse au niveau des requêtes, vous allez vérifier tout de suite votre système d'information. Mais on avait un challenge avec ça. Le composant qu'on utilisait pour prendre des métriques sur l'IP Load Balancing ne tenait plus la charge. On a essayé S-Collector, T-Collector, Snap. C'est tout plein de petits outils en Go qui permettent de récupérer des données sur vos instances HAProxy. Ils récupèrent des métriques toutes les secondes. Tac, 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 tac. Le CPU augmente. Mais à un degré tel que c'était plus manageable pour nous. Quand vous avez un HAProxy qui route les paquets, qui prend moins de puissance que votre collecteur de métriques, vous commencez à vous poser des questions. Donc on a analysé la chose. On a fait, ok, le parseur CSV est lent. Aujourd'hui, je sais que sur des nouvelles versions de Go, le parseur a été
on va dire, amené à être plus rapide. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait énormément de modules embarqués. Donc on s'est dit, on va en refaire. Donc vous voyez la petite flèche rouge, exactement. Ben là, sur ce coup-là, c'était l'outil de Metric. Donc, la team Metric nous a dit, pas de souci. À ce moment-là, on va coder un petit truc. Donc, ils sont venus avec la solution Bimium plus HAProxy Exporter. Et alors, Bimium a été codé en Rust. En Rust, pourquoi ? Parce que ça avait des performances prédictibles, que c'était rapide, et que au fur et à mesure d'ingérer des données, il n'y avait pas de garbage collection. C'est, on prend les données, on les envoie, on enlève la mémoire qui était allouée, tout ça en permanence, pour chacune des requêtes, pour chacune des métriques. Comme ça, il n'y a pas un gros vidage toutes les 15 secondes. Les résultats, ben on est passé 30% de CPU sur les autres systèmes à 0,6. En plus, on est maintenant en mesure de filtrer chacune des métriques, comme on avait l'équivalent de 40 métriques sur HAProxy et sur le système encore plus. Maintenant, on peut les prendre chaque seconde. Et celles qui ne nous intéressent pas ou que le client n'intéresse pas, eh ben on l'enlève. Après, il y a 800 000 points par seconde depuis l'outil pour chacune des IP load balancing. Enfin, on est capable d'estimer qu'aujourd'hui, Bimium est capable de tenir 1,8 million de points par seconde, ce qui est quand même bien costaud. Ensuite, deuxième utilisation de Rust en production, c'est sur le CDN. Vous savez ce que c'est un CDN ? Content Delivery Network. C'est un service de rendu d'image pour le net. Quand vous avez des images sur votre blog, sur des réseaux sociaux, ben, ils sont hébergés dans divers POP à travers le monde, sur des serveurs qui sont là que pour rendre des images. Et la particularité des CDN sur les différents POP, c'est qu'il faut, quand on met une nouvelle image, il faut supprimer l'ancienne image et en mettre une nouvelle. Donc, quand on est utilisateur d'un CDN, eh ben, à chaque fois qu'on veut remettre une image, il faut envoyer une requête de purge sur l'ensemble des POP sur le monde entier. Ces requêtes de purge vont juste dire, vous supprimez le fichier, il ne m'intéresse plus. Le problème, c'est qu'on avait un outil qui est utilisé par tout le monde, enfin, par beaucoup de personnes, Nginx, et le module de purge est plutôt pas fait pour nos usages. Donc on a changé le design. On avait 12 000 purges par heure. Avec les règles complexes qu'on avait, avec des regex et tout ça, par exemple, vous voulez enlever tous les points JPEG que vous avez dans votre site, ou tout ce qui se finit par .doc, ou ça commence par le fichier image et vous voulez juste mettre à jour le fichier image. À la fin, avec le nombre de requêtes, plus les patterns que vous vouliez enlever sur les images, ça faisait plein d'images en même temps enlevées sur les serveurs. Et donc, on arrivait à un point où le disque dur, il commençait à dire, ça suffit, tu es en train de supprimer plein de fichiers sur l'ordinateur, tu es en train de supprimer plein de fichiers sur le POP, ça va ralentir les performances d'affichage des nouvelles images pour les clients. Donc, on a changé de design, on s'est dit, on va faire un index de purge pour chacun des domaines. On va dire où sont les différents fichiers sur le file system et envoyer une requête pour les tuer. Pour supprimer le fichier. Donc, j'ai commencé le travail. Tout d'abord en C. Parce que je me disais, un module Nginx, c'est en C. Pourquoi pas faire le module en C ? Donc, je commence, je travaille. Et j'établis la connexion avec le cache. Je remplis ce cache-là. Enfin, cet index, excusez-moi. Et on renvoie les requêtes de purge, de suppression de ces fichiers sur cet index. L'index dit OK, il y a bien le fichier sur le file system. Et à ce moment-là, il est prêt à le supprimer.
Le problème avec ça, que j'ai arrivé assez rapidement, c'est que je programme en C, mais c'est long de programmer en C. Il fallait que je vérifie toutes les structures de données qu'il y avait, toutes les librairies qui sont données par Nginx pour pouvoir construire des modules en C. Et je me disais, bon, ok, c'est chouette, mais il faut que je le fasse vite, c'est mieux. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, certaines parties, autant bénéficier des librairies qui sont déjà disponibles en Rust. Donc, j'ai utilisé très rapidement des crates, qui sont des librairies en Rust. Vous avez dû le voir. Ces crates, il y en avait une particulière qui m'intéressait, c'était la crate Redis. Cette crate Redis permet de parler avec la petite base de données Redis, de stocker les index, d'aller récupérer ces index et de dire, c'est simple, toute cette liste de fichiers là, c'est là sur le file system, tu les supprimes. Résultat, quelquefois, j'étais pas content, j'avais des structures à redéclarer côté Rust. Ensuite, j'avais le build system, qui est pour Rust, qui est cargo, qui est différent de celui d'Nginx. Nginx, c'est un système de makefiles qui sont assez costauds, qui fonctionnent, mais les gens n'ont jamais, ne se sont jamais amusés à faire du Rust en plein milieu. Donc il y a une intégration encore à faire. Par contre, ce qui a été super agréable, c'est que les FFI, quelqu'un connaît les FFI? C'est les interfaces de programmation entre différents langages. Dans notre cas, c'est entre C et Rust. Les FFI étaient super faciles à coder. Je disais en Rust externe C, et donc ça pouvait s'interfacer facilement avec du C. Puis j'avais des cycles de développement rapides. Je disais, tiens, ça te va, ça, je fais l'arbre comme ça, je prends tel index, je le fais par domaine. Je pouvais modifier tout très rapidement. La programmation en Rust, c'était beaucoup plus rapide. Et utiliser les crates. Donc, à la fin, en faisant ce module-là, j'ai pu coder ça assez rapidement dans un langage qui me plaisait et atteindre l'objectif qui était de rendre les purges beaucoup plus rapides pour nos clients. Voilà. À ce moment-là, on se dit, OK, Rust est rapide. Rust, je peux réécrire des systèmes qui sont vieux comme le monde avec. Pourquoi je ne me poserais pas la question de réécrire tout en Rust? Je me suis dit non. Il faut être déjà modeste. Il y a des systèmes qui ont été codés depuis des décennies, qui ont eu plein de use cases, plein de rapports de bugs. Ces rapports de bugs-là, ça a de l'expérience qu'a connu un produit, du Varnish, du Nginx ou autre. Ces produits-là ont vraiment beaucoup d'expérience sur des protocoles assez complexes, sur des situations complexes, sur comment réagir quand la mémoire se vide. Il y a plein de ifs cachés qu'on n'aurait pas notion de regarder directement. Donc, en fait, ces systèmes qui ont plein de ifs, spécifiques, pas au langage, mais à leur métier, sont moins touchés par des erreurs métiers. Ensuite, j'ai vu il n'y a pas longtemps à Bruxelles, au FOSDEM, une autre approche qui était d'utiliser un transcripteur, un translator, entre C et Rust. Et donc les systèmes en C, qu'on n'a pas envie de continuer à écrire en C, on pourrait les translater en Rust. Donc ça, ça me paraît intéressant, parce que comme ça, nous, notre temps est important. On a envie de développer des nouvelles features. On ne va pas redévelopper des choses qui fonctionnent déjà. À part pour les corriger. Ensuite, ben, autant se faire une expérience sur Rust. Mais aujourd'hui, si on commence un nouveau système, autant le faire en Rust. Ça nous permettra d'écrire des systèmes plus solides. Qui vérifieront mieux les inputs. On en discutera après. On arrive à créer des applications qui vont aller en production de façon très rapide en Rust. Alors qu'en C, on a plein d'outils, mais ça demande un certain temps de s'habituer à tous ces outils-là.
Et bah, ce qui est agréable avec Rust, c'est que vous avez toute la panoplie des langages fonctionnels et même toute la recherche de sucre syntaxique, de syntaxe, qui permet d'aller plus vite. Est-ce que vous voulez en savoir plus sur notre utilisation? Aujourd'hui, on a quatre projets qui concernent OVH, qui sont écrits en Rust. Donc Beamium, Flogger, qui permet de prendre n'importe quel log sur une machine et de la traduire dans un autre format qui sera beaucoup plus rapide à pousser sur d'autres machines. Donc si vous avez des logs pour un HA proxy, vous serez capable de les transformer dans un autre protocole qui est beaucoup plus rapide en binaire et tout ça, et que vous enverrez vers un autre serveur. Ensuite, vous avez OVH Rust, qui permet de se connecter aux API d'OVH, et Edge DNS, qui est une implémentation d'un cache pour les DNS sur chacun des POP du monde. Ensuite, les produits, SSE Gateway, si vous voulez regarder plus en détail, l'IP Load Balancing Next Gen, les métriques, qui sont sympas pour envoyer énormément de données et de points, et le CDN. Ensuite, les communautés OVH, le forum, le meetup, que je vous présente là maintenant, et OVH Carrier, si vous voulez postuler. Donc, Rust, historiquement, ses inspirations sont C++, Cyclone, un langage un peu caché, OCaml, pour certaines structures. C++, c'était pour le name mangling, donc la définition des fonctions. Quand vous avez des binaires assez grands, c'est bien de donner plusieurs noms à vos fonctions pour pas qu'il y ait de collision. Et donc, Rust a repris le système anti-collision des nommages des fonctions. En Cyclone, on a repris tout ce qui était gestion de la mémoire. En OCaml, des structures plutôt au niveau pour se balader sur les listes. En Haskell, les type class, ce que j'ai compris. Et en Erlang, toute la, on va dire, le mécanisme de réparation après crash d'un processus et les messages. Rust a des features cool. Mais un jour, un ami m'a dit, cool, c'est pas un argument technique. Donc, à ce moment-là, il fallait décrire les avantages. Les avantages que je vois, moi, directement, c'est la sécurité des inputs. Quand tu as des types qui sont vraiment bien définis, à ce moment-là, on peut filtrer énormément de choses. Éviter le nul. Le nul, certains l'ont appelé le milliard dollar problème. Une syntaxe de programmation moderne qui nous permet de gagner du temps en tant que développeur, qu'il est multiplateforme, proche de l'OS. En fait, c'est de pouvoir interagir très efficacement avec le C et avec l'objectif C de certaines plateformes, que ce soit Windows ou macOS. Cargo, qui est actuellement un outil très bien fait, qui reprend énormément de bonnes pratiques des autres langages. Une intégration que j'appelle smooth, très proche des autres langages. Si vous cliquez sur ce lien, vous verrez tout de suite tous les exemples du Rust Omnicon, qui est tous les divers langages avec lesquels on peut faire des bindings. Donc du C, du Ruby, du Perl, du Python, il y a énormément de choses. Et la qualité que je vais souligner là maintenant, c'est la faible empreinte mémoire, grâce au Borrow Checker, celui qui vérifie que vous avez utilisé correctement la mémoire en Rust. Alors, les garbage collectors sont des outils efficaces. Vous déléguez votre mémoire à un sous-programme. Ce sous-programme, qu'il soit dans un thread à part ou dans une autre coroutine, va s'occuper de libérer les objets qui étaient encore en stand-by dans votre mémoire, dans la heap. Mais ce sous-programme-là, quelquefois, ne grandit pas aussi rapidement que le programme maître. Si vous êtes un serveur web et que vous recevez énormément de requêtes,
vous allez recevoir plein de requêtes d'un coup. Vous allez avoir plein d'objets dans votre mémoire. Et après, il faudra tout vider. Et le temps de vider tout ça, ce sera des secondes de perdu sur la réponse à d'autres requêtes. Donc, ça peut assez vite devenir un bottleneck. Donc, bon, ça c'est les exemples en Java. Après, Java n'est pas le seul langage en garbage collecté. L'avantage quand même du garbage collector, c'est sur des nombres importants, sur des graphes d'objets, c'est toujours utile. Mais par contre, dès que c'est des petites requêtes, on est en train de remplir la mémoire, il faut la vider, remplir, vider. Ça a des utilités pour certaines structures de données, mais sur des petites structures de données, c'est pas le meilleur outil. Donc, Rust introduit une nouvelle façon de gérer la mémoire. Enfin, pas nouvelle, mais réutilise parce qu'il trouvait ça pertinent. Donc, le système d'utilisation de la mémoire va amener le programmeur à diriger sa mémoire de façon à se passer d'un garbage collector, tout en ne sacrifiant pas sa vitesse de programmation. Donc pour cela, je vais décrire le système de ownership et de borrowing, donc de possession et d'emprunt qu'il y a à l'intérieur du langage. Et donc à ce moment-là, on n'aura plus besoin de garbage collector. Le compilateur vous dira quand vous êtes en train de faire des erreurs avec la mémoire, ce qui n'était pas forcément le cas en C, et vous sauvez du temps. Donc, pour vous parler du ownership system, je vais vous présenter quatre personnages. Le premier est Roundup, le vaisseau qui c'est un vaisseau qui est capable de voyager dans le temps. C'est une IA à bord de ce vaisseau qui est capable de parler avec les autres acteurs. Valérian, qui est un voyageur de l'espace. Laureline, qui est une jongleuse, mais qui ne sait pas faire que ça. Et Blender, qui est un robot alcoolique. Donc, tout d'abord, Rhonda fait un cocktail. Donc, il y a la structure du cocktail qui est déclarée en Rust. Et le système, Rhonda, va nous donner un cocktail à louer en mémoire. Ce cocktail est ensuite donné à Valérian. Donc, Rhonda donne la propriété de la mémoire qui est allouée à Valérian. Donc maintenant, Valérian a son cocktail. Premier état dans les fonctionnalités de Rust, c'est la sémantique qui permet de bouger la mémoire entre différents acteurs d'un programme. Donc, on prend le cocktail. Maintenant, il appartient à la variable Valérian cocktail. Donc, il appartient à Valérian. Ensuite, Valérian donne sa mémoire à Laureline. Et à la fin, Valérian redonne sa mémoire à Bender. Ouais, mais ça va pas marcher, déjà de 1. Le compilateur Rust va vous dire, c'est pas possible, si vous avez bien suivi. En fait, Valérian a donné deux fois son cocktail. Il l'a donné une fois à Laureline, une fois à Bender, et le compilateur va dire non, ça peut pas être possible. Donc, on corrige le programme et on dit que Valérian reçoit le cocktail, puis Valérian donne son cocktail à Laureline, et ensuite Bender récupère le cocktail de Laureline, et là tout se passe bien. Ensuite, on a le cas où Valérian a un nouveau cocktail. Valérian donne son cocktail à Laureline. Et après, Valérian veut cloner son cocktail et le donner à Bender. Sauf que ça ne va pas fonctionner parce qu'il a déjà donné son cocktail à Bender. Donc, pour solutionner, on fait l'inverse. Valérian récupère le cocktail. Il en fait un clone, il demande à Rhonda, tiens, tu pourrais pas me faire un deuxième cocktail comme ça? Résultat, il prend son cocktail,
ils le donnent à leur ligne, et le clone, enfin, le clone, ils le donnent à leur ligne, et après, ils donnent à Blender son deuxième cocktail. Pareil que pour les clones, on se pose la question de si on peut boire le cocktail ou pas. Donc, Valérian obtient un cocktail. Ce cocktail-là, il le donne à l'Orline. Et si Valérian essaye de boire son cocktail, bah, il ne peut pas parce qu'il l'a déjà donné. Et enfin, dernier cas, si Valérian prend un cocktail, le met dans un mixeur, c'est le mixeur qui a le cocktail maintenant. C'est plus Valérian. Donc, il faudrait récupérer techniquement le cocktail après que le mixeur ait fini de travailler. Donc, il ne peut pas le boire. Tout ça, le compilateur Rust est capable de le vérifier pour vous. Ensuite, il y a le système d'emprunt. Le système d'emprunt d'une variable. Ici, on crée un cocktail. On dit tout simplement que c'est un vecteur de plusieurs composants d'un cocktail. Là, j'ai mis du tonic et du gin. On dit que c'est le cocktail de Valérian. Valérian émet le souhait de le donner à Laureline. Il lui dit « Tu peux prendre le cocktail, mais tu n'as pas le droit de le modifier. Je te le prête, mais c'est moi qui ai envie de le boire. Donc, tu commences pas à mettre d'autres éléments dedans. » Donc, on vérifie le cocktail. Valérian et Laureline ont le droit de voir le cocktail. Mais dès que Laureline a envie de mettre un morceau de citron dedans, ça ne va pas être possible. Donc, voilà. ensuite, dernière expérience, on fait un cocktail avec tous les éléments. On peut le boire si on a déclaré que Valérian pouvait modifier le cocktail au fur et à mesure. Et donc, à la fin, il est bien capable de l'imprimer. Enfin de... le concept de lifetime, c'est une nouvelle façon de gérer la mémoire au niveau de Rust. C'est de dire que chaque variable, que chaque zone de mémoire a sa durée de vie. Il y a la durée de vie la plus connue, c'est statique. C'est tout votre programme. Cette variable aura la durée de vie de tout le programme. C'est un avantage. C'est qu'on peut l'appeler n'importe où dans le programme. L'inconvénient, c'est aussi ça, c'est qu'on ne contrôle rien. C'est au début, c'est à la fin. Il n'y a pas de gestion. Donc, Rust a introduit une notation qui est quote A, et quote B, quote C, quote D. On peut aller jusqu'à tout l'alphabet, enfin, il me semble. Et donc, dire si la variable, elle vit tant et tant de temps. On le déclare au début de la fonction et on dit est-ce que la variable vit pendant toute la fonction. Voilà. Il y a un autre aspect sur les lifetimes, c'est qu'une variable qui dépend d'une autre variable, par exemple le lemon qui est dans le cocktail, enfin le citron qui est dans le cocktail, le citron n'a pas le droit de vivre plus longtemps que le cocktail lui-même. Sinon, ben, on a bu le cocktail, mais on a déjà consommé le citron. Donc ça se représente comme ça, quand on va le décrire. Release, c'est qu'on évacue tout et qu'on dit qu'on rend la mémoire au système. On peut implémenter des choses un peu plus funky sur les variables, sur les structures, pour dire, une fois que tu as fini le cocktail, tu rends le verre. Pour moi, ça me paraît une bonne pratique. Bon, après, on peut le nettoyer, tout ça. Donc, à partir de ce moment-là, on se dit, on va designer son programme et ses ensembles de structures de données en mémoire à travers les temps de vie de chacune de ces variables. Mais il y a d'autres avantages. C'est qu'on peut faire pareil avec les sockets Unix et avec les locks. Si une socket, si vous considérez que votre socket est en mémoire et qu'elle dure suffisamment longtemps dans la mémoire, mais qu'à un moment vous n'en avez plus besoin parce que ça dépendait d'une autre structure, d'un autre objet, ben vous relâchez la socket. Pareil pour les locks. Si vous avez besoin de garder le lock sur un objet et que cet objet disparaît ensuite, vous réalisez le lock.
Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a toute la documentation du Borrow Checker dans les codes de Rust. Il y a un README très, très sympa sur ça. Donc, le système de possession. Dans l'implémentation, on a la variable à gauche, que vous avez vu, qui était Valerian Cocktail. Vous avez le durée de vie, qui est symbolisé par le quote A. La mutabilité, si on peut changer ou pas la variable. Et les restrictions qui s'appliquent sur cette variable, quand vous essayez de l'emprunter. Quand vous l'empruntez, suivant l'emprunt que vous faites, vous avez le droit de modifier la variable. Donc vous n'avez, entre guillemets, pas le droit de l'assigner, de réassigner la variable. Vous pouvez claim, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de modifier la variable qui a été empruntée. Et freeze, vous n'avez pas le droit de modifier la variable du tout. Donc, avec toute cette méthode qu'on a vue, aujourd'hui, on n'a pas besoin de garbage collector. On peut éviter d'avoir des sockets qui sont toujours ouvertes alors que son programme s'est éteint, en disant que cet objet dans ton programme, il se relâche et il enlève sa socket dès qu'il se fait détruire. On n'a plus besoin de s'en préoccuper. Et donc, on n'a plus de problème de supprimer n'importe quel service plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on voit comme d'autres cas d'utilisation ? Dans les serveurs et dans la programmation système, c'est très souvent utilisé. Dans les jeux vidéo, ça permet de créer des structures très performantes. Et dans les serveurs de trading, ça permet de ne pas consommer trop de serveurs parce que, comme on disait pour les garbage collectors, si le garbage collector passe et fait durer votre requête plus longtemps, au niveau du trading, c'est pas joyeux parce qu'on gagne moins d'argent. Qu'est-ce qu'il y a après ? On peut, comme c'est toujours la communauté Rust, on pourrait parler des outils pour démarrer Rust. On pourrait parler d'écrire des microservices en Rust. C'est déjà faisable. On pourrait parler de Tokyo, qui est un nouveau type de serveur haute performance qui est écrit par Mozilla. Et on pourrait parler de plus de fonctionnalités dans le langage. Voilà. Bonjour à tout le monde. D'abord, merci à OVH de nous accueillir pour ce meet-up et puis de me permettre de faire une présentation sur Servo, donc le nouveau navigateur parallèle de Mozilla. Mais avant, je vais vous faire une petite présentation de moi-même. Donc, Quentin Frémo, je suis stagiaire chez Dernier Cri et étudiant à côté en programmation. Et bien sûr, je fais aussi partie de Mozilla Reps, donc un représentant Mozilla dans la fondation. Donc je ne fais pas partie de la corporation, donc je ne travaille pas sur Servo à proprement parler, mais c'est une technologie qui m'intéresse énormément avec Rust. Et donc je vais vous parler de ce fameux navigateur Internet. Alors aujourd'hui, il n'y a rien de plus embêtant qu'un Internet lent. Bien sûr, c'est quelque chose qui ne nous arrive presque plus. Donc aujourd'hui, ce n'est plus l'Internet qui devient un problème puisqu'on installe la fibre partout, ça devient de plus en plus rapide, mais c'est les navigateurs qui nous ralentissent. Donc le projet de Mozilla, ça a été de se dire, aujourd'hui, on aimerait accélérer les navigateurs. On a le JS qui peut être exécuté en multithreading, donc plus rapidement, mais tout ce qui est HTML et CSS devient de plus en plus lent. Enfin, c'est pas de plus en plus lent, disons que c'est lié à une exécution simple du process. Donc parallèle parallaxe, ce qui m'a fait penser récemment quand j'ai voulu faire un effet de parallaxe sur mon propre site web, je me suis dit mince, c'est sympa, mais le problème c'est que quand la souris se déplace, de temps en temps, on perd la fluidité, ou quand je veux scroller la page, l'effet saute. Donc j'ai décidé de développer l'application avec le JS, sauf qu'il faut penser à toutes les compatibilités qu'il y a entre Edge, Internet Explorer, Mozilla et Chrome. Et là, on se rend compte que ça devient un joli, enfin, quelque chose qui devait être simple et beau à regarder devient quelque chose de très dur à développer pour qu'on garde toute la fluidité. Et c'est un peu le même raisonnement que s'est dit Mozilla à un moment, en disant, bon, super, on a un navigateur Internet aujourd'hui qui fonctionne, enfin, on a des navigateurs Internet aujourd'hui qui fonctionnent plutôt bien.
qui nous permettent d'aller sur Internet et de regarder des pages très vite. Mais sauf que de plus en plus, les applications web sur Internet sont faites en single page, qui crée des chargements de plus en plus lourds au départ, et on se retrouve avec une page de chargement sur les sites Internet. Donc pourquoi Servo a été appelé le navigateur parallèle? Puisque Servo a voulu introduire dans les navigateurs Internet le multithreading sur tout le rendu des pages Internet. Alors bien sûr, bon, ça c'est l'icône qui est connue dans le milieu pour représenter le navigateur Internet, donc un Doge. Alors, c'est comme ça qu'a démarré en 2012 le projet Quantum, donc ce fameux nom de code. C'était vouloir créer un effet Quantum, apporter aux utilisateurs une nouvelle sensation en allant sur Internet. C'était plus simplement continuer d'accélérer les performances sur un code, enfin sur une base en C, puisque tous les navigateurs Internet sont écrits en C, C++, mais apporter un nouveau langage. Donc ça a été l'initiative de la Mozilla Recherche, qui voulait créer un langage qui soit d'une part parallèle, donc multithreading, mais qui surtout exécute ce multithreading de manière sécurisée. Donc voilà, c'était surtout exécuter du multithreading sans faille et sans risque. Donc c'est pour ça qu'ils se sont dit, au lieu de plutôt de continuer à utiliser un langage comme C, C++, pourquoi ne pas inventer un nouveau langage qui est Rust ? Donc depuis 2012, la fondation Mozilla développe ce langage qui voulait, comme Adrien nous l'a parlé, créer toute une manière de coder plus rapidement, de manière plus simple, surtout vérifier à la compilation toutes ces petites erreurs qui normalement en C++ s'affichent à l'exécution et non pas à la compilation. Et en 2015, Samsung les a rejoints pour intégrer au cerveau, donc à cerveau, le nouveau navigateur, toutes les architectures ARM et Android. Donc cerveau n'est pas que développé par Mozilla, mais aussi Samsung. Il y a bien sûr toute autre personne, parce que comme c'est un projet open source, il y a beaucoup d'autres personnes, autres que Mozilla et Samsung, qui peuvent contribuer. Donc si on regarde, alors Gecko, c'est le moteur de rendu utilisé par Firefox. Donc en tout premier, vous avez le temps d'exécution de Gecko. Et en dessous, cerveau. Cerveau qui utilise deux threads pour exécuter le HTML, parser le HTML et le CSS. Donc vous regardez que Gecko produit en 90 millisecondes la requête, tandis que cerveau, avec ses deux threads, ne dépasse pas les 60 millisecondes. Et même si on part du principe qu'on remet un seul thread, on voit bien qu'on ne dépasse même pas non plus les presque 120 millisecondes de Gecko. Donc c'est tout le principe de Rust. Pouvoir exécuter l'affichage de votre page internet de manière multithreadée, les mettre sur plusieurs processeurs et avoir cette possibilité d'avoir une page qui s'affiche rapidement. Donc normalement, je peux vous faire une petite démonstration. Donc c'est un site qu'ils ont sorti afin de tester le benchmarking de cerveau et d'autres navigateurs. Puisque le but, comme c'est un projet de recherche, c'est aussi d'implémenter une rapidité dans tous les autres navigateurs. Par exemple, ici, c'est un petit projet qui a été créé. On prend une image sur le côté et chaque pixel est représenté par une div de 20 x 20. Et cerveau est capable de l'exécuter en une seconde. Bon, alors en fait, ce qui se passe, c'est que l'image qui est parsée, c'est dommage, on ne pourra pas le voir, c'est qu'elle prend presque 10 secondes à se faire sous Firefox. Et c'est vraiment cette différence que je voulais vous montrer. C'est que chaque pixel est exécuté dans un simple process qui, lui, va chercher à reproduire l'image, à chercher comment ça se passe et renvoyer le résultat. Bon, Google Chrome est un peu plus rapide puisqu'ils ont leur API JS qui est beaucoup plus performante que Gecko en soi. Mais on n'atteint pas les 1 seconde de Rust qui est capable, en un coup, de prendre l'image, de flasher dans le GPU, puisqu'en fait, je vais vous en parler plus tard, il y a une API qui permet d'aussitôt, comme dans les jeux vidéo, de vous rendre tout ce que vous avez à l'écran ultra rapidement. Donc bien sûr, ça je vous en ai parlé, les avantages de Rust, c'était contre la corruption de mémoire, la programmation parallèle, donc l'exemple que vous avez vu, et puis le bas niveau tout un état de performance. Je vais passer très vite puisque Adrien a déjà fait une conférence, enfin a déjà fait un truc dessus. Donc, bien sûr, une petite image sympathique sur notre Doge.
Et en 2012, ils se sont rendus compte, en 2015, ils se sont rendus compte que Rust était devenu plus performant que C, C++. En fait, en 2012, le but était simplement d'avoir un programme qui soit aussi performant, mais plus sécuritaire que le C et le C++. Aujourd'hui, on a de meilleures performances. Donc bien sûr, quel est aussi l'avantage de Rust ? Adrien, vous en a un peu parlé, c'est qu'on peut avoir une production rapide et effective. Et là, on a vous savez que Firefox est utilisé pour d'autres navigateurs, Tor. Une des programmeuses de Tor qui commente le fait que Rust est un langage beaucoup plus sécurisé. Et surtout, quand on sait qu'on fait la moindre erreur et ça pourrait compromettre la sécurité de certaines personnes, ça a de réelles conséquences. Elle explique aussi que finalement, elle s'est rendue compte dans la propre programmation et même chez Mozilla que Rust était beaucoup plus simple pour participer, pour commencer à apprendre. On se rend compte que finalement, Rust, c'est ce qui nous permet d'avoir 150 lignes de code simplement pour cerveau en Rust. Hein, je parle bien parce que ça ne représente qu'un tiers. Du programme. On a bien sûr du C++ et du JS. Mais à côté, vous avez tout ce qui est Chrome avec son API donc son API Bling, donc Chromium, qui lui arrive à 700 000 lignes de code, tandis que chez Safari, ils sont à 1,5 million de lignes de code. À côté, Cerveau n'en a que 150 pour le moment. Donc aussi, bien sûr, en fait, ça c'est la roadmap de ce qu'était Cerveau en 2015. Alors, vous pouvez voir que c'est assez compliqué à comprendre ce qui se passe, sauf que Rust embarque Cargo, qui lui est capable de gérer beaucoup plus facilement tout ceci. On sait, ce serait bien compliqué de pouvoir, avec un makefile, linker toutes les dépendances et les librairies. Rust, avec Cargo, est capable d'apporter beaucoup plus de rapidité et de fluidité dans la compilation. D'ailleurs, en réalité, si vous chargez la version développement de Rust, de Cerveau, vous aurez le système de compilation qui va gérer tout seul, grâce à Cargo. Donc, Mozilla a développé en plus une API sur le dessus pour gérer d'autres dépendances, mais Cargo est capable de tout gérer. Donc je vais vous parler aussi de quelques crates, donc les fameuses API utilisées par Rust. On a Stylo. Stylo, c'est en fait le nouveau parseur multithread CSS, puisque normalement, comme je l'expliquais au tout début, votre navigateur Internet usuel n'est pas capable de créer des processeurs parallèles pour parser votre CSS. Alors, aujourd'hui, c'est l'une des tâches les plus lourdes, puisqu'on doit, Mozilla doit se confronter à des tests de passage W3C. Et on a intégré près de 200 balises CSS. Il y a aussi, bien sûr, WebRender. Alors, WebRender, c'est un peu par rapport à la démonstration que je vous ai montrée tout à l'heure. Quand vous avez eu votre image qui s'est affichée en moins d'une seconde, c'est le fameux rendu de votre page qui va se faire sur votre GPU. C'est-à-dire qu'avant, toute votre page HTML n'aurait été parsée que par le CPU, et là on renvoie tout ce calcul sur le GPU. Ils ont même inventé une nouvelle façon, qui est que chaque item dans votre page HTML va être représenté par un display item qui va être envoyé au GPU dans une première phase, et ensuite le GPU va comprendre comment afficher, comment gérer les options d'affichage de votre chose, de votre display item, et en un millième de seconde presque, est capable de rendre votre page HTML aussitôt. Bien sûr, vous voyez le main thread qui est basé sur Cerveau, et le renderer thread qui est juste à côté, qui lui va être capable d'exécuter ces deux tâches en parallèle. Sans créer un effet de queue. Donc voilà, bien sûr, Cerveau, c'est un web browser qui va être capable de paralléliser du JS, du HTML et du CSS. Alors pour tout ce qui est des contributions, Rust, ça représente une communauté très ouverte et avenante. En fait, quand vous allez sur Internet, vous tapez Google, Quant, Bing, vous tapez Cerveau contribution et vous vous rendez compte qu'il y a plein de sites. Lucy Woman qui par exemple explique comment contribuer de manière facile, quels sont les petits, quand vous êtes nouveau surtout, quelles sont les petites issues sur GitHub à faire qui vous permettront d'une part d'apprendre à utiliser Rust
et d'autre part de vous plonger dans un projet qui est beaucoup plus grand. Il y a aussi un autre site que j'ai retrouvé ce matin et perdu entre temps, je voulais vous le mettre, qui lui traque toutes les issues en fonction de votre niveau. Vous lui dites je me sens aventureux, hop, je vais sur un gros problème, on est capable de le régler, je suis capable de le régler. Ou sinon, je veux participer qu'à ce type de problème, et il vous traque aussitôt tout ce qu'il y a à faire. Donc, vous avez vu la build de Nightly qui était fonctionnelle. On est capable aujourd'hui, avec Rust, d'afficher GitHub et Wikipédia, mais bien sûr, bien d'autres pages. J'hésite à vous refaire la démonstration sur les autres pages. On va voir ça peut-être après. Donc là, tout ce qui est en bleu, vous avez Gecko, le navigateur Internet qui est interne à Firefox pour le moment, est écrit en C, et en rouge... Et orange, vous avez cerveau. Mais cerveau qui est exécuté en séquentiel. Donc en fait, on exécute tous les threads un par un. On les parallélise pas. Et cerveau en parallèle. Et vous vous rendez compte que même cerveau écrit en Rust, exécuté en séquentiel, pour afficher Wikipédia, qui est quand même assez lourd, et GitHub aussi d'ailleurs au passage, il est beaucoup plus rapide que Gecko. Et en cerveau, avec cerveau, on arrive même à diviser, enfin, avec le parallèle, on arrive même à diviser le temps d'affichage d'une page HTML par deux. Voilà, donc vous voyez, cerveau capable de vous afficher DuckDuckGo, GitHub, Wikipédia, plein d'autres sites, Rust, cerveau, Reddit. Et si on clique sur Wikipédia, attention, magie. Voilà. Donc c'est une page aussi un peu, c'est un peu français, par exemple. Pour le moment, comme je vous le disais, Stylo est une des technologies qui permet de parser le CSS. On n'a pas toutes les balises, on n'est pas encore capable de bien tout afficher, mais vous voyez que la page GitHub est plus ou moins, la page Wikipédia est plus ou moins fonctionnelle. On peut se balader, Wikipédia en bref, portail thématique, hop. Surtout GitHub qui est très 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 lourd. Voilà. Et d'ailleurs, le CSS est fonctionnel sur GitHub. C'était l'un des premiers sites en 2015 à être entièrement fonctionnel sous cerveau. Vous pouvez vous connecter, y afficher, vous voyez que d'ailleurs quand on scroll, il n'y a pas de lag. Donc simplement en conclusion, Rust apporte des performances supérieures au C++ parce qu'il implique de bonnes pratiques. Donc ça peut être un peu déconcertant au départ parce que on s'est dit, enfin la première fois que j'ai testé Rust, je me dis super, je vais faire un hello world, je tape 2-3 mots, 2-3 variables et tout d'un coup le compilateur me dit erreur partout, copier le code du C++, pareil. Bon. Et on se rend compte que Rust nous donne de très très bonnes pratiques sur tout ce qui était borrowing et compagnie, et qu'il est capable de nous dire à la compilation quelles sont les erreurs qu'on va faire plus tard. Puisque là, le projet cerveau, ça a été de pouvoir paralléliser toutes les tâches et créer un navigateur internet beaucoup plus rapide. Sauf que si vous avez déjà fait de la compilation en C, et que vous avez déjà fait du multithreading, vous seriez peut-être rendu compte à certains moments que votre programme fonctionne très bien, vous l'exécutez, génial. Et puis, 30 minutes plus tard, parce que de temps en temps, on laisse tourner le programme, l'ordinateur commence à friser. On fait un valgrind plus ou moins léger pour ne pas trop surcharger. Rien, il ne se passe rien. Et on regarde la mémoire virtuelle continue d'augmenter. Et en fait, on s'est rendu compte que quelque part, on a fait un leak et que le compilateur C ne nous a jamais rien dit. Sauf que Rust aurait été capable à ce moment-là de vous dire que vous auriez une perte potentielle de mémoire. Bien sûr, c'est plus sécurisé dans son développement. Le petit tweet que vous avez pu voir de Thor, qui était assez pertinent, il répond surtout aux nouvelles architectures de nos ordi, puisque le C et le C++ ont été développés à une époque où votre ordinateur n'était qu'un seul processeur. Aujourd'hui, on est quand même multiprocesseur. Ça serait plus intéressant de pouvoir utiliser toutes les capacités de notre ordinateur. Et en plus de pouvoir utiliser le multiprocesseur, il est moins énergivore que le C. Il y a eu d'ailleurs une petite recherche qui s'est faite durant 3 mois à Mozilla. Ils se sont rendus compte qu'ils gagnaient en énergie, vont consommer moins d'électricité. Ce qui peut être très important pour les serveurs vu que c'est ceux qui consomment le plus d'électricité aujourd'hui. Il y a une prise en main rapide et un debug plus intuitif, donc c'est ce que j'expliquais plus haut. Bien sûr, la communauté est à l'écoute, présente, Meetup LILFP, et puis... Si vous avez quelconque question, il ne faut pas hésiter. On répond beaucoup plus facilement et les tout débutants ne se heurtent pas à des... mais oui, mais la question a déjà été posée. Non, la communauté est très, très ouverte. Il ne faut pas oublier que Cerveau, c'est
avant tout un projet de recherche qui a été commencé en 2012. Mais depuis quelques années, avec l'avenue de Samsung en 2015, Mozilla, cette année, a décidé d'intégrer de plus en plus cerveau à Firefox. Et la build, donc la release de Firefox d'il y a un mois, a intégré l'une des majeures features de cerveau dedans. Ils se sont rendus compte qu'elle avait même des effets de rapidité beaucoup plus importants que ce qu'ils sont attendus. Il y a des utilisateurs sur Reddit qui étaient totalement excités à l'idée de pouvoir utiliser cerveau. Et voilà. Donc je pense que sur ça, nous allons finir. Et puis le Doge nous invite à boire un coup. Bien sûr. Et puis si vous avez des questions avant, bien sûr, excusez-moi, n'hésitez pas.